Hello à tous et toutes et bienvenue sur frappstesjeux.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la frappe absolue sur le Dead Space 3. On s'attaque ici à l'épisode 14, je ne sais plus, un truc sur l'univers. J'ai oublié déjà le titre alors qu'il vient de s'afficher. Mais bon, ce n'est pas bien grave. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous sommes sur PC et c'est bel et bien l'épisode 14. Nous devons retrouver Rosetta. Rosetta, nous ne savons pas encore vraiment ce que c'est. Toujours est-il qu'apparemment, ça sert à créer le codex qui mettrait fin, plus ou moins, d'après ce que j'ai compris, à tout ce qui se passe actuellement sur cette belle planète, et à travers le monde et l'univers d'ailleurs en fait. C'est parti, on va suivre Carver et Ellie qui sont grimpés là-haut. Oh merde! Est-ce que ça va? Ouais, ça ira. Passe devant! Je t'envoie les coordonnées. On se retrouve aux installations. Ok, donc c'est noté. Alors, je vous dis tout de suite, ce chapitre est assez long, donc il sera sûrement découpé en deux parties. Et à titre d'information, sachez, mais j'avais ramassé à la fin de la vidéo précédente, que vous avez ici un élément pour améliorer vos armes à ramasser. Donc il est juste là, vous avez juste à le ramasser, sauf que je l'avais déjà fait dans la vidéo précédente. Voilà. Bref, c'est parti. On va pouvoir commencer notre ascension, parce que forcément, ils ont décidé de nous rallonger le trajet. Hein. Vous pouvez tourner à droite, ici il n'y a pas grand chose à récupérer, mais comme vous pouvez l'entendre, il y a un petit élément à placer, donc il y a le méca charognard, que vous pouvez placer dans les environs, tout le type que je n'en ai pas pour l'instant. Donc ce sera pour une autre fois. A savoir que si vous faites le tour, vous allez forcément avoir des petits gens qui vont vous accueillir ici et essayer de vous tuer. Quand je parle de gens, bien sûr, c'est des personnes décédées, hein. Je pense que vous l'aurez tous compris. Ouh, comme c'est joli par ici donc, c'est un peu vert. Mais c'est joli. Bonjour. Ah ! Non ? Bon. Faut croire qu'il s'amuse à teaser notre nouvel ennemi. Donc ce qui nous intéresse, c'est cette porte, à savoir que ici encore une fois, vous entendez le petit bruit qui vous signale que vous pouvez déposer un méca charognard. Donc comme je le disais, on va vers cette porte, c'est parti. C'est quoi ça derrière ici? C'est effacé, super, on voit rien. Bonjour messieurs, désolé de vous marcher dessus, mais en même temps vous êtes en plein milieu du passage là. Attention, Derek Danik a des renforts. Bordel. Comment on va pouvoir trouver Rosetta si elle est morte depuis 200 ans? Attends un peu. Là. D'abord Rosetta. C'est là. Parfait. Envoie-moi les coordonnées. J'espère que nous aurons le codex avant que Danik nous trouve. Encore une fois, ici, vous pouvez déposer un mec à charognard, sauf que je n'en ai plus en stock. Voilà, j'en étais sûr, je n'en ai plus, effectivement. Donc on va être obligé de faire comme ça, et ici vous pouvez récupérer un schéma pour le fusil chercheur. Laboratoire de biologie chercheur uniquement, ok. Je pense pas que ce soit ce qui va nous empêcher d'entrer mes amis, hein. Non. A chaque fois, je me trompe de touche. On va déposer ceci. Voilà, donc je pense que vous l'avez remarqué, il y avait plein de petites bestioles qui se déplaçaient pour essayer d'aller réveiller nos collègues. Bah, allez, marche! Ah, je me disais bien que j'étais coincé. Bon,
On attend encore quelques visiteurs, hein. Ici, c'est moi qui fais les lois. C'est bon ? Non, j'ai encore un ami. Ah, nous avons une nouvelle tenue, voilà quelque chose qui est agréable comme nouvelle. On va donc s'empresser de la porter. Après tout, quand c'est un cadeau comme ça, il faut le prendre. Voyons voir, tenue légionnaire débloquée, joli nom. Alors, là voilà la tenue de légionnaire, essayons-la. Je crois que j'ai une petite préférence quand même pour celle de l'archéologue qu'on est en train de porter. Moins jolie celle-là. Améliorer les rigs, normalement tout est déjà à fond à part ici. Et entre nous, toutes ces choses-là pour l'instant, ce n'est pas ce dont on a le plus besoin. Ensuite, je vais aller voir par ici. Voilà. Et enfin, par là. Il est temps de vider un petit peu notre inventaire. Voilà, armature lourde standard, non merci. Plus 2 dégâts, plus 1 cadence de tir, pourquoi pas. Et 2 méca charognards de retour. Ça va toujours nous faire un petit peu plus de ressources, rien que pour nous. Alors, on va déjà commencer par screen Dinaba de Tungstène, puisqu'apparemment j'en ai plus. Voilà, c'est chose faite. Et ensuite, le reste, je pense qu'on peut rester tel quel. Ouais, ça fera l'affaire largement même. Est-ce que je peux commencer à changer quelques petits trucs? Cadence de tir et dégâts. Ah, joli, plus 2 dégâts, plus 1 cadence de tir. Oui, non, ça devrait aller comme ça pour l'instant. Et là, on va changer celui-ci. C'était recharge, voilà. Il me semblait que j'en avais une comme ça, voilà. Plus 2 dégâts, plus 1 recharge. Voilà. Normalement, lance-roquette fait déjà bien mal, mais bon, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Donc pour l'instant, c'est fermé par là-bas, vous vous en doutez, j'imagine. Et ici aussi, donc il va falloir qu'on continue d'avancer. Bonjour monsieur. Pas très rassurant le bruit de l'ascenseur. Hein. Par contre, à l'intérieur, c'est matelassé au cas où. Alors voilà le labo de Rosetta. Ah, on y est. Et ça, c'est une station d'assemblage, si on en croit les commandes. On doit assembler un codex. C'est logique. Non. D'après ces registres, nous devons assembler Rosetta. Alors ils l'ont découpé en morceaux? Oh, mon Dieu. Quelle journée de merde. Ils l'ont découpé? Pourquoi? Je sais pas. Mais certains morceaux se trouvent déjà dans l'assembleur. Je crois que j'en vois un autre par ici. Effectivement, je le vois aussi. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Il doit y avoir un système d'envoi vers les ressources du labo quelque part.
Ouais, par ici. Ok, voyons si ça fait le voyage. Allez, on l'envoie. Yeah. Ok, je vais essayer de connecter ça à l'assembleur. Attends. Donc, si j'en crois ces registres, il reste 4 fragments et le docteur Serrano les a retirés de l'inventaire. Il y a 3 bâtiments dans cette installation. S'il y a d'autres fragments, ils peuvent être... n'importe où. Apparemment, la plupart des portes sont fermées. Tu sais quoi? T'as de la chance. Regarde ce que j'ai trouvé, une carte d'accès. Tu veux l'essayer? Pourquoi pas. Bien, merci. Trouve le maximum d'infos sur l'assemblage de Rosetta et sur le Codex. Moi, je vais explorer les labos pour trouver les autres fragments de Rosetta. Ok, donc nous connaissons maintenant notre nouvelle mission. Il nous faut aller explorer un petit peu tout ce beau monde afin de pouvoir trouver les 4 fragments qui nous manquent. Étage inférieur, je vous prie, merci. On dirait qu'il y a 3 bâtiments principaux sur le secteur. Nous sommes dans la section biologie. Il y en a d'autres pour la paléontologie et la géologie. Très bien, et je commence par laquelle? Comme tu veux, mais... sois prudent. Pourquoi? Tu crois que je vais me faire manger tout cru? C'est pas drôle. Je sais. Terminé. Oh, il y a de la matière parasite un peu partout. Elle bloque même certaines portes. Elle est organique? Parce qu'il y a un système de stérilisation qui détruit les corps étrangers en cas de faille de l'endiguement. Chercher. Oui, c'est pas très joli, ça ne rappelle pas forcément de bons souvenirs, cette histoire-là. Bonjour, mademoiselle la caméra. Donc, déjà, on va fouiller ça. Et apparemment, les gens qui ont créé ce labo, ou du moins cette zone, avaient prévu le coup. Voyons voir. Ah. Donc, bien sûr, il va nous falloir aller activer la pompe. Mais avant tout, un message. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de beau? En cas de problème d'endiguement, le gaz stérilisant doit être administré via la cabine de stérilisation la plus proche. Les compartiments hermétiques vous protégeront des propriétés hautement corrosives du gaz. Tout tissu biologique non protégé dans la zone affectée sera désintégré. Important, le diffuseur de gaz doit absolument rester en place. Votre sécurité et celle de votre entourage en dépend. Ok, c'est noté. Un nouveau circuit d'amélioration et descendons. Puisque c'est en bas que se trouve la pompe. Je me disais bien que t'avais un petit quelque chose à me laisser quand même. Du coup, voici donc la pompe avec plein de petits logos. Attention, vous allez mourir. Ok, donc le but du jeu, bien sûr, c'est de l'allumer. Sinon, on ne pourra jamais enlever les éléments horribles qui se trouvent à l'intérieur. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Mon charge inactif. Mon charge actif. Mon charge inactif. Mon charge actif.
Ça, c'était pas tout à fait prévu. Voilà, au moins tout fonctionne bien, comme ça vous le saurez, il y en a un qui arrive sur la droite et un qui arrive sur la gauche, histoire que vous savez bien décontenancer. Bref, on remonte, je suis pas sûr que c'était le bon mot décontenancer, mais bon, on va dire que ça fonctionne, hein, vous m'avez compris. En gros, nous étions, comment on peut dire ça, déconcentrés, je ne sais pas, pris au dépourvu, allez savoir. Pris à revers, ça peut être pas mal aussi. Décidément, elle ne m'aime pas, ces bestioles, hein. Ah! Casser la glace en cas d'urgence. Pourquoi on peut pas tout simplement faire ça dans le fond? Lancement du cycle de stérilisation. La première fois que j'ai fait ce passage et que j'ai vu l'extérieur de la pièce devenir extrêmement... c'était caché, quoi, disons qu'on ne voyait plus tout ce qui s'y passait. Je me suis dit, à tous les coups, le gaz va se dissiper, il y aura une grosse bestiole derrière. Mais en fait, non, que dalle. Comme quoi, notre imagination joue bien plus de tours quelquefois que le jeu en lui-même. Ah, bonjour monsieur, ravi de vous rencontrer. Je vois que vous avez eu un léger problème au niveau de la gorge, mais ce n'est pas grave. Ah, on entend déjà le petit bruit qui nous signale que nous avons quelque part la possibilité de déplacer notre méca charognard, enfin de placer plutôt. Mais tout d'abord, écoutons le son. Docteur Earl Serrano, nouveau rapport. Je comprends pourquoi la machine n'a pas reconnu notre codex. Les instructions étaient corrompues par la seconde chaîne d'ADN, l'aberration. Nous en avons trouvé un nouveau. Un nouveau spécimen, intact. Son ADN est en parfait état. Et j'espère qu'il s'agit de l'élément décisif qui nous manquait. Je sais pas qui tu étais, toi. En tout cas, t'as l'air d'avoir souffert. Appelle pour avoir vite expédié la situation. Je sais pas qui est là-dedans, en tout cas il semble bien chaud. Prêt à être dévoré. Ou peut-être que c'est tout simplement des produits qu'il y a à l'intérieur, je ne sais pas. C'est bizarre en tout cas. Oula, je n'ai pas l'impression que ce soit des radios humaines tout ça. Hein. Ou alors c'est des nécromorphes. Donc si vous n'allez pas assez vite, cette fameuse bestiole que vous connaissez tous maintenant va se faire un plaisir de vous réveiller. En envoyant donc quelqu'un, en fait j'ai appuyé sur le bouton ici plutôt que prendre le tungstène qui était au sol, c'est pour ça que ça a fait du bruit. Donc comme je disais, cette fameuse bestiole là, chez d'autres petites bestioles qui vont justement réveiller les cadavres qu'il y a autour. Donc faites bien attention à ça, on ne sait jamais, et ici vous avez un artefact alien, on va le récupérer. Et le lire bien sûr. Journal personnel, docteur Alexei Obruchev. Les autres ont dû me trouver un peu rude lorsque j'ai fixé Freeman au mur avant de l'ouvrir comme un poisson. Mais je devais les convaincre, et quel meilleur moyen que d'apporter les preuves directement.
Les singularités observées dans la structure osseuse du soldat et les mutations de ses organes internes présentent des similitudes troublantes avec les spécimens sortis des glaces. La force qui a transformé son corps en machine à tuer est liée à l'évolution de cette planète. Par ailleurs, tout semble lié au signal transmis par les monolithes. Encore maintenant, le corps de Freeman change parfois en quelques minutes et ses cellules semblent toujours vivantes. Cela explique certainement comment les spécimens que nous avons trouvés ont survécu aussi longtemps dans la glace. Donc ce monsieur, là-bas, collé contre le mur, c'est Freeman. Bonjour Morgan. Récupérons ceci et allons le placer un peu plus loin. Waouh, je t'avais oublié toi. Là-bas, là. On va pas faire le fifou, on va récupérer de la vie, parce que j'ai quand même bien dégusté, là. C'est bon, vous avez fini de m'ennuyer ? Bande de schtroumpfs. Où est-ce qu'elle est ma machine? Elle a ricoché jusqu'où? Me dites pas qu'elle est revenue là-bas. Ah bah si. Faut croire qu'elle s'était perdue. Plutôt jolie vue à travers la glace. J'ai trouvé un fragment de Rosetta. Je vous l'envoie. C'est quel fragment? Difficile à dire depuis l'intersection. Mais ça ressemble à rien de connu. Ok, je m'en occuperai tout de suite. Un petit peu de vie, ça ne peut pas faire de mal. Ensuite, continuons. Il me faut descendre par ici. Ou plutôt monter. N'importe quoi, qu'est-ce que je raconte, moi? Voilà. J'ai fait le kikou là, hein. L'autre s'est rapproché trop vite et du coup j'ai failli me faire tuer par ma propre roquette, encore une fois après tout. Je vous l'ai déjà expliqué, le rocket jump dans ce genre de jeu, ce n'est vraiment, mais vraiment pas conseillé. Donc quoi qu'il arrive, nous avons un toc de vie, donc on ne va pas gêner. En plus ça nous fait un toc de place dans notre inventaire, c'est parfait. Bon, vous l'aurez compris, en fait, le plus grand danger que nous avons ici, c'est qu'ils arrivent des deux côtés. Nous en avons deux qui tombent juste ici, qui ne sont pas bien solides. Par contre, ceux-là le sont un peu plus. Ceux-là, là. Ceux qui sont pas cool. Qui tombent. Il y en a deux qui tombent de chaque côté. C'est-à-dire deux qui tombent ici, en plus les deux autres qui tombent là. Et deux qui tombent de l'autre côté. C'est pourquoi j'ai essayé d'en avoir un avec de la phase. Afin de pouvoir éliminer ceux qui étaient de l'autre côté. Mais c'est un peu plus bordélique que ce que je ne pensais au niveau de l'action. Bonjour Isaac, je sais que vous êtes là, tout près de moi.
vous devez me prendre pour un homme de foi zélé, prêt à suivre aveuglément un dieu vengeur dans sa folie. C'est la conclusion la plus évidente, je ne vous en veux pas. Et si je vous disais que je suis en fait un homme de science, un homme rationnel, qui croit fermement aux relations de cause à effet. Bientôt, vous comprendrez que j'ai raison. À propos de tout. Si tu le dis. Me voilà bien obligé de t'écouter. Ici, nous pouvons récupérer, hop là, la clé de la caserne. Et nous obtenons donc une mission alternative, explorer la 173e caserne. Enfin, c'est celle qui correspond au 173e régiment. Non, au 163e, pas 173. Qu'est-ce que je raconte, moi, aujourd'hui? Décidément, je suis fatigué, hein. J'ai pas encore récupéré la nuit de l'ouverture du site. Circuit d'amélioration, on récupère ceci, et... Là, c'était une clé. Entre. Bonjour, messieurs. Il y a personne, mais bon. Par politesse. De la vie. Intéressant. Ouais, ils auraient quand même pu m'offrir un peu mieux, hein, parce que c'est vrai que là, devoir dépenser une dinabar pour ça, c'était pas tip-top. Sean Johnson. Il me semble que j'ai oublié de vous montrer, vous pouviez placer, vous avez entendu la musique de toute manière, vous pouvez placer un... Comment on appelle ça? Un méca charognard. D'ailleurs, est-ce qu'il m'en restait un? Ouais, il m'en restait deux, donc au pire, je peux peut-être aller le remonter là-haut pour le replacer. Ça me fera toujours des éléments supplémentaires, hein. Autant ne pas rater cette occasion-là. Ouais, mais ça sert coincé du coup cette porte. Bon, en gros, c'est par là que vous pouvez le déposer si vous le souhaitez. Dans la petite salle qui était juste derrière. Ce sera pour une prochaine fois, au moins vous le saurez, hein, qu'on peut le déposer là-bas. Là, entre nous, s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est ça. Non! Mais c'est pas ce que je voulais faire! Oh l'arnaque! Faites surmonter là, c'est pour ça. Mais vous l'aurez compris, c'était pas du tout le but de l'action. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ça y est, ressort du coup. Voilà, vous aurez compris plus ou moins ma technique, mais bon, c'est pas... Normalement, ça se passe pas tout à fait comme ça, là. C'est un peu hasardeux, j'avoue.
ça a bien fait bugger à l'histoire du mec qui est coincé dans le mur. Mince. Qu'ils sont encore tous venus me dire bonjour. Bon là c'est pas aussi bien passé que je l'aurais espéré, vous l'aurez compris, mais bon, je préfère tous les éliminer, parce que vous allez comprendre ce qui se passe en dessous, et c'est une chose qui m'agace énormément, parce qu'en fait, je vais vous expliquer, vous en avez vu un tout à l'heure, qui se balade, en fait il fait le tour, tout le temps, de la zone, mais il n'y a pas que lui, et c'est là le problème, c'est-à-dire qu'une fois en bas, nous avons deux autres amis qui ne nous veulent pas forcément du bien. Et ces deux amis, en fait, font le tour de cette zone-là. Et nous avons un élément à activer, ici. Même deux éléments à activer. Comme ceci. Et en fait, ils m'agacent énormément les deux qui sont en bas. Dans le sens où on est obligé de faire ça au ralenti si on connaît pas trop le truc. Et j'avoue que je n'arrive jamais à comprendre vraiment le fonctionnement. Docteur Earl Serrano, nouveau rapport. Nous savons que tous les monolithes présentent des glyphes. Personne ne sait vraiment ce qu'ils veulent dire. Mais ils viennent d'une langue que nous attribuons au créateur du monolithe. Cependant, nos équipes de forage ont découvert un autre ensemble de glyphes, tout nouveau, sur les structures trouvées sous les glaces de cette planète. J'ai demandé l'envoi de plusieurs artefacts pour inspection. Si c'est bien ce que je crois, cela pourrait tout changer. Ok, merci pour l'information, vieux. Donc comme je vous le disais, en fait, vous en avez un qui passe tout le temps au-dessus, et deux qui sont là, qui font des allers-retours, qui tournent en rond, en fait, qui font des patrouilles tout autour de la machine. Et du coup, c'est extrêmement désagréable d'activer la machine quand nous avons les deux en bas. Donc du coup, j'utilise la porte de l'ascenseur pour me protéger, afin d'éliminer ce qui manque. Sauf que là, comme ça s'est mal passé avec le fait que je sois remonté par mauvaise idée de ma part, enfin mauvaise manipulation de ma part, en fait, plutôt ça marche mieux comme ça. Et je rappelle que plutôt c'est le chien de Mickey, mais c'est une autre histoire. Une autre histoire, pardon. Bref, voilà, donc en gros je fais comme ça généralement, c'est-à-dire que j'ouvre à peine la porte, je tire directement sur la bestiole qui est en face, histoire de la tirer, et je n'ai plus qu'à éliminer les vagues suivantes, sachant que normalement ça se passe plutôt bien. Mais bon, encore une fois, je me suis loupé cette fois-ci, tant pis. Donc on va essayer d'activer ce truc, à chaque fois je me loupe. Je ne sais jamais exactement comment il fonctionne ce machin. Ça me rend toujours les choses très agaçantes. Voilà, ça tourne un peu n'importe comment leur histoire et j'ai jamais compris vraiment le... Il y a sûrement des calculs à faire. Ah, ça y est, j'y suis. Le but du jeu, c'est de les ramener à tous à zéro, en fait. Donc, il y a forcément un calcul au niveau des angles qu'on peut mettre en place, en fait. Mais comme je me loupe à chaque fois, et que je suis pas très doué en mathématiques. Donc, le but du jeu, en fait, c'est que celui-ci et celui-ci, quand on l'active, font tourner celui-ci avec différents angles. Et le but du jeu, c'est d'arriver à zéro. Donc quand on sait exactement que celui-là fait que du 90 degrés, je crois. Celui-là fait par 45 degrés. Et celui-là, ça dépend celui qu'on active sur les côtés. Voilà, je vous laisse imaginer le bordel quand il y a des espèces de bestioles qui se baladent tout autour de la machine. Je trouve ça horrible, donc c'est pour ça que je préfère les éliminer. Comme ça, au moins, je suis pépère. Ok, Ellie. Je t'en envoie encore un autre. Isaac, ces fragments, t'es sûr que c'est Rosetta? Y a qu'une façon de savoir. On doit en être à la moitié. Ah bah c'est pas si mal la moitié. Continuons.
Est-ce que je dois d'abord partir à gauche? Non, il me semble que voilà, il y a la caserne en face. C'est la caserne des 163e. Donc c'est une quête annexe, on va aller la faire. Hé, hey, Carver! Dans la caserne des faucheurs. Je parais qu'ils avaient des joujoux sympathiques. Je vais aller jeter un coup d'œil. Ok, donc normalement ici, c'est fermé. Et ici, nous avons un message. Lisons-le rapidement. FACS-CIS 30694 TVDM 212 de Général, je pense. S. Mahad à Amiral, je pense. M. Graves. Objet, unité spéciale 163. En fait, il faut le lire à l'envers, je crois. Voilà, le premier message, c'est celui-ci. Donc, objet unité spéciale 163, voudriez-vous m'expliquer pourquoi j'ai dû reloger la moitié de mes officiers pour accueillir votre 163e? Ce sont des brutes qui ne font absolument rien d'utile sur mon vaisseau. Pourquoi gaspiller nos ressources pour ce changement à mon sens très discutable? Et Monsieur Mahad a répondu... Si c'est le manque de place qui vous inquiète, ne vous en faites pas, j'amène ces types avec moi sur la planète. Et concernant leur manière, je ne les ai pas fait venir en qualité de gentleman. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle la 163e, enfin qu'on appelle la 163e, les faucheurs. Ces types ont fait notre sale boulot lors des émeutes civiles sur Terre. Ce sont des tueurs, les plus froids que je connaisse, et ils sont aussi mon assurance que rien ne va dérailler. Des têtes. Merde. Quelqu'un s'est lâché ici. Il y a des têtes coupées partout. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Si les corps sont toujours là, alors leurs armes aussi. L'occasion est trop belle. Comme tu le dis, oui. Alors, voyons voir ce que ça nous dit de beau. FACSCIS 31022 TVAF2, journal perso, colonel K. Myers. J'ai tout fait pour rejoindre cette mission, partir pour cette planète de glace et rejoindre les faucheurs. C'était une chance de me faire remarquer et personne n'aurait pu m'en empêcher. Quand Freeman a disparu, je suis devenu le nouveau larbin. Je lavais les toilettes des faucheurs, je faisais leur lit et je nettoyais leurs armes, admirant au passage les gravures du moindre baril. Un jour, j'ai eu le cran de demander à l'un des faucheurs si je pouvais faire partie de l'équipe. J'étais prêt, déterminé, sans peur. Il m'a ri au nez, comme l'aurait fait mon ancien sergent instructeur. Mais il m'a dit que c'était possible à condition que je nettoie les toilettes à main nue, pendant une semaine, sans pouvoir prendre de douche. Cela prouverait ma motivation. C'était mon rêve, et cet homme m'avait fait une promesse. Alors je l'ai fait. Le plus inquiétant, ce n'est pas lui, c'est celui qui est sur le côté. Il n'a pas l'air de venir, donc on va lire le message. Journal perso du colonel K. Myers. Me voilà donc une semaine plus tard, recouvert de merde, la peau toute craquelée, j'avais prouvé ma valeur, j'étais prêt. J'aurais dû le voir venir. Ils m'ont pris en photo, ils l'ont montré à tout le monde. Puis ils ont dit que je ne serais jamais un faucheur, à moins que tous les autres ne meurent et que je ne sois le dernier à pouvoir prendre leur place. J'ai été forcé de faire mes affaires et de m'installer dans les quartiers inférieurs. J'ai une certaine éthique, et je ne suis pas du genre à me laisser abattre. La nuit suivante, je suis retourné à leur caserne et me suis approché de leur lit, sans un bruit. Leurs têtes sont tombées, une par une. Une, deux, je les ai comptées au fur et à mesure, tout que je l'ai coupé. 3, 4, j'ai gravé les nombres sur la lame de ma hache. 5, 6, il ne pourrait plus rien me refuser à présent. 7, 8, 9, 10, 15 têtes plus tard, je faisais partie de la 163e, la plus terrible unité des colonies souveraines. Je suis le faucheur. C'est pas joli joli. Bonjour. À la guerre comme à la guerre, n'est-ce pas ? Ici a disparu. Allez, on va lui faire lâcher tout ce qu'il a. Voilà, c'est chose faite.
Donc par contre, c'est ici que se trouve la figurine de Peng. Peng, je vous le rappelle, c'est cette espèce de statuette que nous retrouvons dans tous les Dead Space et qui n'apparaît qu'une fois dans le jeu. En fait, elle se trouve ici, dans ce coin. Toujours est-il que c'est un vrai bordel pour la voir, donc je vais essayer de me débrouiller, mais je ne garantis rien. Ouah, non ! Non, l'arnaque ! Je suis mort bêtement, là. Le truc est mal parti, le coup est très très mal parti, donc je vais attendre un tout petit peu. Du coup, je n'ai pas trop le choix, de toute façon, maintenant. Parce que ça fait des allers-retours, ce truc. Comment j'ai fait pour aussi mal viser, quoi ? N'y allez pas tout de suite, parce que ça va pas jusqu'au bout. Si, c'est bon, je peux y aller. Je vais attendre encore un petit peu. Elle est juste là, la figurine de Peng. J'espère que cette fois-ci, je n'aurai pas de soucis pour la récupérer. Hé, les gars, je suis là! Mince, c'était pas trop le moment, là. Tant pis, on va attendre encore un petit peu. Non, toujours personne, c'est bizarre. Donc, pour récupérer la figurine, vous devez tout simplement ralentir ce truc. Essayer de trouver moyen de la récupérer. Mais c'est tellement le bordel, leur histoire. Vous voyez, ça marche pas tous les coups. On va essayer de se retrouver coincé bêtement. Voilà. Ça y est, je l'ai. Viens là, chérie. Et voilà. Et normalement, on débloque un succès. Voilà, donc vous avez trouvé la seule et unique figurine de Peng qu'il y a dans cet environnement-là. Enfin, dans ce jeu même. Mais je vous avoue qu'il y a de nombreuses fois où la figurine a planté, moi, quand j'ai joué. Bon, ils ne semblent pas vouloir venir me voir, donc tant pis pour eux. Mais c'est parce qu'il était là, le bus! Merci. Ah, bon, on va récupérer de la vie. J'en ai pas les petites. Ah, à chaque fois, je me trompe de touche. Voilà. Ça me fera un peu plus de place. Et encore un élément. Bon, rassurez-vous, celui-ci ne se met jamais en route, hein, donc il n'y a aucun souci avec lui. Voilà, il est complètement cassé. On peut remonter. Ah, l'élément que j'avais cassé tout à l'heure. Merci. C'était pas trop le moment de faire une mise à jour de mon chargeur là. Ah, ça passe pas. Ah, je me serais bien loupé là aussi. Toi, viens là. Non, pas toi. Pas toi non plus. Ouais, non, ça marche pas. Je voulais essayer de le coincer dans la machine, mais non. Ah, qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Bizarre, n'est-ce pas? Bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. Merci, est-ce que j'ai pas encore de la vie à récupérer par hasard? Non, donc on va déposer celui-ci. On va récupérer celui-ci. Oh, il m'a stressé lui d'un coup là. À bouger quand je suis passé devant. Je sais pas ce que c'est qui t'avait accroché au mur, mais t'as mal terminé, ça c'est sûr. Quelle est la sauvegarde déjà? Je ne sais même plus. Par contre, ce que je sais...
l'avais dit que je le savais. Il va peut-être falloir qu'on s'arrête, hein, parce que bon, je commence à dépasser les horaires prévus, là. Ah, un mecha charognard de retour, ça peut toujours être intéressant. Merci. Donc on va commencer par créer une dinabar tungstène. On sait jamais, ça pourrait toujours servir par la suite. Et on va même se faire plaisir en créer deux. Voilà. Et me voilà maintenant avec un tout petit peu plus de place libre dans mon inventaire, ce qui fait toujours du bien. Et ici, nous avons un artefact. De Capitaine Raymond Reed, candidature Colonel Myers pour son troisième. Quand je regarde le champ de bataille, je ne vois que de la faiblesse. La guerre de sécession a pris nos meilleurs guerriers et il ne nous reste plus que des gosses. Ils ne savent même pas tenir un fusil et pleurnichent dès que les choses tournent mal. Pour survivre dans un monde comme celui-ci, il ne faut pas seulement être capable de tuer. Il faut aimer ça. La première classe Meyer, enfin le première classe, pardon. Myers n'est qu'un poltron et nous le traiterons comme tel. Humilions-le pendant une semaine avant de le mettre dehors. Il réalisera peut-être qu'il n'a pas les couilles pour faire partie des faucheurs. Ouais, apparemment Myers n'a pas spécialement apprécié le geste. Bon, où est la prochaine sauvegarde? C'est ça la question. Oui, des mines. Tous vos amis, toute votre famille, ça n'a plus d'importance. Votre esprit obéit comme une machine. Il suit les ordres. Vous suivez les ordres. Vous tuez sur commande, sans hésitation. Ils vont mourir. Tous mourir. Aucun survivant. Aucun survivant. Quand vous l'aurez fait, vous vous suiciderez. Doucement, détendez-vous. Doucement, détendez-vous. Vous êtes seul. Votre esprit est en paix. Voilà, j'ai récupéré la clé. Ça n'a plus d'importance. Votre esprit obéit. Comme une machine. Il suit les ordres. Vous suivez les ordres. Vous tuez sur commande. Sans hésitation. Ils vont mourir. Tous. Waouh! Ces types auraient pu affronter une armée entière. S'il te plaît, Isaac, dis-moi que tu vas t'en aller. Ouais. Essayez de retrouver mon chemin. Vous vous suiciderez. Détendez-vous. Eh bien, on balance un comme ça, déposer. Et encore de la vie.
décidément, je vais toujours en rap. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est juste derrière, regardez-le. Bisous! Ensuite, je crois qu'il me faut aller. Pom pom pom. Ça c'est fait. Donc je crois qu'il faut d'abord que j'aille par là. Et si je me souviens bien, là je vais déguster. Ah non, c'est pas là. Bon bah ça va, tout va bien alors. Je savais que t'étais là. Par contre, toi, je t'avais oublié. Non, vous avez rien de plus à me donner? Ouh, j'ai bien failli déguster. Il y a encore un truc que je peux pas ramasser, décidément. C'est pas la joie, là. Hein. Bon, là, on va déposer un truc de vie. Et voilà. Normalement, cette fois, j'ai bel et bien fait le tour. Voilà, cette fois-ci c'est fait, nous avons fait le tour. On va pouvoir remonter. L'établi, il n'y en avait pas un par là. Je ne sais plus, j'ai un doute. On va remonter. Il me semble qu'il y en a un juste après, et c'est là que je vais pouvoir sauvegarder. J'espère du moins, parce que là nous sommes arrivés au bout de la vidéo, ça fait 55 minutes déjà. Si je fais ça. Petit rappel, Isaac, pour prendre du recul. C'est un fait. Le tout premier monolithe, le noir, découvert sur Terre, a permis de grands progrès. Vous êtes bien attentif? C'est un fait. Le monolithe exerce une influence qui guide les organismes vers le progrès, leur permettant d'accomplir leur véritable destinée. Vous voyez où je veux en venir? Pas où est la bestiole qui essaie de m'attaquer, mais c'est bizarre là. On a gagné plein de trucs. Alors je sais plus du tout quand est-ce que ça sauvegarde, donc ça risque de couper dans les quelques secondes qui viennent. Donc je vais aller récupérer ce qu'il y a là-dedans. Réappuyer ici. Ressortir, et ça va couper dans quelques secondes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur et à ciao tout le monde. Salut. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc j'irai droit au but. Il me semble que vous êtes un spécialiste des monolithes. Vous en avez créé un. C'est des conneries, ça. On m'a forcé la main. Vous en avez détruit deux, d'où notre présence. Nous avons besoin de vous.